Bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la partie 10 de The Dark Picture Anthology Little Hope. Peut-être la dernière, peut-être pas. De toute façon, ce sera écrit sur le titre. On verra. Mais on s'approche de la fin, je pense. Allez, c'est parti. On ne perd pas de temps, on y va. Tu entends ? Ce bruit, c'est sûrement la petite. Elle est là. Reste là. Hé, hey, Bigfoot, tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. Andrew, qu'est-ce que tu fiches? M'a fait peur cette bourrique. Oh non. C'est pas normal, je rêve. Je vous fais le serment que notre ville sera bientôt délivrée des griffes du démon. Tous unis, grâce à Dieu, Little Hope triomphera. Je vous l'assure. La cour s'est réunie diligemment, car il le fallait. Si nous voulons enfin nous débarrasser de ce mal qui a infesté Little Hope, l'heure est venue d'agir. La cour accuse Mary de sorcellerie. En dites-vous, révérend. Les preuves établies par mes investigations sont édifiantes. Mary emploie sa poupée comme un moyen d'invoquer et de servir le diable. Cet enfant nous a tous mystifiés avec son voile d'innocence. Cette poupée a malencontreusement condamné. Moi, je dirais que c'est plus le... l'innocente Tabata. Mais c'est à Mary qu'elle appartenait, et à elle seule. Moi je dirais que c'est Carner, là, je crois. Elle a laissé sa propre sœur être exécutée sous ses yeux, sans dire un mot. Ce n'est pas vrai! Menteur! Voilà que cette jeune Carver. Fille, cette créature de Satan, a l'audace de m'accuser, moi, l'homme de Dieu, de faire le mal! Je suis désolé, mais... Quoi ou fasse, méfie-toi de ces petits airs innocents. Ce n'est qu'une enfant, mais elle a de mauvaises intentions. Elle est malveillante. Qu'est-ce que je peux faire? Si je pouvais les arrêter, je le ferais. Alors qu'elle se trouve au pied du mur, cette fille du démon fait à nouveau appel à l'aide Attendez. De son maître. J'en appelle à votre indulgence. Je vous en supplie. Donnez-moi un conseil. Moi je dis c'est Carver, hein, en vrai. Il faut qu'on réagisse. Il y a un truc bizarre avec Carver. La seule chose qui est folle, c'est cette cour. Carver, c'est lui le vrai coupable. Le mal nous a assaillis. Quelqu'un nous a trompés. Mais Mary est hors de cause. Le révérend Carver est celui qui nous incite à craindre le démon. Taisez-vous donc. C'est lui le responsable. Qui comptez-vous duper ainsi? Vos intentions sont évidentes. Je purgerai cette ville des forces démoniaques. C'est vrai. Écoutez ce que dit Andrew. Carver est coupable. Ah. Que dois-je faire pour ramener Little Hope sur notre chemin? Bah elle disparaît que moi du coup. Ouais, faut arrêter Carver. Il faut arrêter Carver. Vous ne comprenez pas que c'est lui? Il condamne Mary pour échapper à la justice. Trajectoire actualisée. Andrew a dit à Abraham que le révérend Carver était la véritable source du mal à Little Hope. Ouais. Assez. Que signifie cet outrage? Ces nouveaux éléments me révulsent jusqu'à la nausée. Vous allez devoir répondre à de graves questions, révérend. Comment un homme de Dieu a-t-il pu agir de la sorte? Mary, tu as suffisamment souffert. Tu peux maintenant t'en aller. Idiot! Elle vous a dupé! Ignorez-vous ce qu'elle est? L'odieuse vérité se tient devant vous et vous ne voyez rien! La fille du démon vous a tous aveuglés! Pas moi! Je la vois! Je la vois! Petite garce! Tu seras puni pour tes crimes!
J'étais l'un des premiers que tu as envoûté. À présent, tout Little Hope se retrouve sous ton emprise. Je ne sais. Sans votre aide, je serais morte. Mon sauveur, vous serez dans mon cœur à tout jamais. J'ai du mal à croire que tout soit fini. C'est fini, je pense. Il a défendu la fille et démasqué le prêtre. En fait, c'est lui qui était maléfique. Fichons le camp. Ouais. Je veux tout savoir. Vous l'avez vu, Marie ? Je crois que cette fois... le cauchemar est fini. Ouais. S'en aller. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Pourquoi elle est pas venue? Ça va, pourquoi elle est pas venue, elle? Eh mais... pourquoi elle est pas venue? Je comprends pas là. Oh non. Oh non, c'est une blague. Oh la gueule. Indécision. Raillerie. Duplicité. Oh merde. Elle va crever. Oh merde. Putain, je pensais pas faire de meurtre là. Je suis dégoûté. Elle est morte. Et merde. Putain. Chier. Quelle horreur. Hey ! Je suis désolé. Je sais que c'est pas votre faute. On a traversé de vraies épreuves ces dernières années. À 800 mètres, il y a un resto avec un téléphone. Appelez à l'aide, allez-vous-en d'ici. Et ne revenez plus jamais. Vous n'avez plus rien à y faire. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. On a tous vécu une nuit abominable. Mais pas autant que toi.
Ça me hantera toute ma vie. Sois pas trop dur avec toi-même. On a vécu un enfer. On va enfin sortir de ce trou. J'aurais voulu qu'on s'en sorte tous. Quoi ? Ouais, d'accord. Trafic est dévié vers Little Hope. Est-ce que ça va ? Vous avez l'air un peu perdu. Ouais, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Putain, y'a personne dans le bus. Je me rappelle, c'était au début. Un petit détour ne devrait pas trop les déranger. Merde. Vous pouvez pas tous la fermer ? C'est pas comme ça qu'on trouvera de l'aide, ou qu'on sortira d'ici. Ok. Bonsoir. Vous allez bien ? Excusez-moi, nous cherchons le chauffeur de notre bus. Hein ? Vous l'avez vu ? Ouais, très marrant. Vous avez besoin de remontant. Merci, mais ça ira. J'essaie de rester lucide. Vous ne devriez pas boire maintenant. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Boire, c'est tout ce qui me reste. Espèce de salopard! Vous avez osé me tirer dessus! Arrêtez de vous planquer! Hé, hey, du calme, j'ai... Je voulais aider, c'est tout. Vous avez pas vu cette Mais chose? Mais qu'est-ce que vous racontez? Y a rien ni personne. Hé hey! Je crois pas qu'ils comprennent qu'on court un grave danger. Ah, je viens de comprendre du coup. En fait, lui, c'était le chauffeur de bus. Il avait une imagination depuis tout le début, en fait. Tout ce qui s'est passé, c'était dans sa tête. Et bah, dites donc. Bravo, Supermassive Game, pour cette fin inattendue, là. Je m'attendais pas à ça. Tiens. C'était une fin très surprenante. Voilà, c'est terminé, fini. Pour l'instant, du moins. Vous pouvez toujours réessayer, tenter de faire différemment. C'est là le problème des démons. Si vous ne les faites pas taire, ils vous hanteront à jamais. Impressionnant, presque sans un accroc. Presque, oui. Et enfin, vous avez fini par le trouver. Le chauffeur de bus. Peut-être va-t-il pouvoir tourner la page à présent. Nous nous reverrons peut-être dans le sud Pacifique. Ou le désert d'Arabie, ou en d'autres lieux. Mais nous nous reverrons. Au moins encore une fois.
I can't see with icy hands takes hold on me. I am death, none can excel. I hold the key to heaven or hell. Oh, death, oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, I have come to get your soul, to leave your body and leave it cold, to drop the flesh right off in your frame. The earth and worms both have their claim. Won't you spare me over for another year? Oh, death, consider my age. Pray do not take me at this stage. My wealth is all at your command, and you but move your icy hand. Would you spare me over for another year? Nor age, nor youth, nor silver, nor gold, nothing satisfies me but your soul. The old, the young, the rich, and the poor alike with me will have to go. Won't you spare me over for another year? Oh, death, won't you spare me over for another year? Oh, won't you spare me over for another year? You believe in God? Absolutely not. We'll start believing. You are under attack by, I don't know what. You wouldn't believe me even if I tried. Hell, I don't believe it and I was there. In Sumerian myth, they say the souls of the dead went deep underground to the House of Ashes, where they lived on dust, plagued by the demons of the underworld. Bon, et bien les amis, voilà, c'est la fin de ce let's play sur The Dark Picture Anthology Little Hope. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau let's play sur un autre jeu ou alors la suite d'un autre let's play. Par exemple Resident Evil 4, Resident Evil 6. Voilà. Allez. J'espère que ce let's play vous aura plu en tout cas, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et aussi n'oubliez pas, bientôt il y aura aussi la version Curator's Cut de Little Hope, quand elle sortira en DLC, je pense du coup en fin janvier, on verra, voilà. Mais en tout cas je vous le ferai dès que ça sortira, voilà, allez, à plus, portez-vous bien, et à plus pour une nouvelle vidéo.